En français, difficile, avec Andreas Schutz, effectivement le fameux entraîneur allemand installé en France, et nous sommes ici à Bahreïn, figurez-vous, oui, oui, la première fois Francière vous emmène à Bahreïn. Première fois aussi Andreas? Non, pour moi la deuxième fois. Je vais ici avec Monty l'année dernière. Toujours pour la même course, là, puisque nous allons disputer le Bahreïn International Trophy, $1 million, et Andreas Schutz nous amène Marba Ya Sanafi. Là, c'est un autre niveau. Hein. Oui, il est 3 ans, il est classique winner, gagnant. Poule d'essai. Poule d'essai, et il est un bon fond. Alors, pourquoi avoir choisi cet objectif exotique? Pour moi, ce n'est pas exotique. Est-ce que je dis, je vais ici l'année dernière? Et je suis très content avec les facilités et avec les courses. Il est un bon cheval. Les propriétaires, par exemple, Breeders' Cup ou quelque chose, il demandait Angleterre, il a dit, bah, je pense qu'il est un peu dur pour lui. Ouais. Et je pense que ça, c'est le bon course pour lui. Alors Marba Ya Sanafi, bien sûr, comme participant français, mais aussi Birkassel, de l'écurie André Fabre, avec le fameux Richard Lambert, la figure internationale, bien sûr, d'André Fabre, qui connaît le monde entier. Tu connaissais Bahreïn? Oui, il est déjà venu une fois, en 2021, avec Manicourt. Ça s'était bien passé, troisième, il était content. Voilà. L'année dernière, je n'ai pas pu venir. Pourquoi donc? J'ai perdu mon passeport. Non, c'est pas vrai. Si, c'est des choses qui arrivent. Alors. Même à toi, même à un grand pire. Voilà, ça peut arriver. Bon, alors cette année, Birkassel, un cheval qui monte, qui monte, qui monte. Hein. Il a gagné 2 listes, dont une la dernière fois. Mais là, c'est quand même un grand changement. Oui, bon, on va essayer. Hein. Le patron, s'il pense qu'il est apte à venir ici, c'est qu'il a une raison, c'est qu'il a une chance. Donc on verra bien, on va voir. Il a bien voyagé, pour un 3 ans, c'est bien. Ce qu'il a fait, son voyage est bien pris, bien acclimaté. Maintenant, on va voir. Alors justement, le travail, c'est 1-3 ans. Les chevaux, ils sont arrivés quand? Qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils sont arrivés vendredi dernier, le soir. Samedi, on n'a pas travaillé. On est resté dans le barn. Il est sorti la première fois dimanche. Il a fait un petit tour de reconnaissance au galop de chasse. Et puis là, il fait ses petits travaux tranquilles, petit canter, quoi. Rien de spécial, quoi. Le travail, il est fait en amont. Alors toi qui es déjà venu ici et qui connais toutes les pistes internationales du monde, est-ce que tu peux nous parler un peu du profil de cet hippodrome de Bahreïn? Bon, c'est un profil un peu à l'européenne, ça monte, ça descend. Dernier tournant, il est en inclinaison, il descend. Il y a une longue ligne droite, on peut revenir de derrière. Le gazon, c'est bonne qualité. Non, c'est une belle piste, c'est vraiment une belle piste. Ça, c'est un peu un, on va dire, un triangle un peu comme Saint-Cloud, mais à l'envers. Voilà. Triangle à l'envers. Bon, enfin, il y a un lot là. Hein. Ouh là là, il y a des chevaux internationaux. Oh, oui, le niveau, il monte, hein. La preuve, hein, c'est passé groupe 2, nous on est venu, c'était groupe 3, la location était de 200 000, maintenant elle est d'un million, donc ça attire les bons chevaux, voilà, tout simplement. Merci beaucoup, bonne chance donc pour Richard Lambert et Andreas Schutz avec respectivement Birkassel et Marba Ya Sanafi, les deux Français au départ. Merci.